Pile 13h à Cotonou, ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée sur l'ORTB. Voici le sommaire. Il n'y a pas de faux numéro de série sur les billets de banque. La BCEAO est formelle. Elle n'est pas l'auteur des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, assure dans ce journal le directeur national de la Banque centrale. La pollution atmosphérique, on en parlera également dans ce journal, mais à l'aune de l'accroissement rapide du parc automobile et de l'utilisation des produits pétroliers de mauvaise qualité. Samedi prochain, on entre de plein pied dans le nouvel an chinois. À Cotonou, la troupe de la province chinoise de Gansu a donné un spectacle riche en lumière et en son. Nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le 24 janvier 2017. Bonjour et bienvenue à tous. Il n'y a aucun problème avec vos billets de 10 000 et de 5 000 francs CFA. Aucune contrefaçon, aucun problème avec les numéros de série. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est formelle. Elle dément les informations sur la toile qui font état de l'existence de faux numéros de série. Elle n'est pas l'auteur de ces informations. Le directeur national apporte ici le démenti de son institution et clarifie. Monsieur Kamaklo est au micro de Jérôme Rungbo et de Rosemont Diapé. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 et 5 000 francs CFA, ainsi que de différences sur les dimensions de ces billets. La BCEAO dément formellement être à l'origine de ces informations malveillantes et précise qu'elle n'a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission, qui demeure valide. Elle invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de l'Institut d'émission. À cet égard, elle rappelle que tous ses communiqués sont publiés sur son site internet à l'adresse www.bcao.int, ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle. La BCEAO se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. L'opération de libération des espaces publics ne concerne pas encore les voies secondaires et autres dessertes. Le ministre du cadre de vie et du développement durable rassure les uns et les autres que l'opération en cours actuellement cible les boulevards, les avenues et grandes pénétrantes. Au micro de Renaud Akako, le ministre Didier José Tonato s'est fait clair. Écoutez-le. Je voudrais rappeler que nous sommes encore dans la première phase de l'opération de libération du domaine public. Et cette première phase concerne essentiellement les principales voies, les boulevards, les artères, les avenues, les grandes pénétrantes qui sont revêtues, qui sont équipées d'un terre-plein central, qui ont des trottoirs. Nous allons, dans le cadre de cette première phase, libérer essentiellement les trottoirs et les terre-pleins centraux des grandes voies, des principales voies. Les voies secondaires non revêtues, les voies de desserte non revêtues ne sont pas concernées. C'est vrai que depuis que l'opération a commencé, nous avons constaté quelques déviances qui ne sont pas de notre initiative, qui sont à la limite ou soit de l'incompréhension, ou du sabotage. Des gens qui n'ont pas accompagné le mouvement, des gens qui n'ont pas adhéré, ont distribué pendant le week-end des sommations à des opérateurs qui sont installés dans les, ce qu'on appelle les vents. Ce sont les rues secondaires, ce sont les voies de desserte. Une sommation leur demandant de libérer expressément l'espace public en 72 heures sous peine de déguerpissement. Je voudrais préciser que l'opération qui est en cours est pilotée
essentiellement, entièrement par le gouvernement, qui agit par l'intermédiaire des préfets. Certains maires sont associés et que nous avons la totale maîtrise de cette intervention et qu'elle est exclusivement limitée aux grands axes urbains. Je précise les boulevards, les avenues, les grandes pénétrantes qui sont revêtues et qui sont équipées de terre-pleins centraux et de trottoirs. Dans sa décision, le gouvernement a bien précisé qu'il y aura une deuxième phase. Une deuxième phase qui démarrera après que nous ayons fixé les règles d'occupation du reste du domaine public. Nous voulons rassurer la population et leur dire que l'opération, pour l'instant, ne concerne pas les voies secondaires non revêtues, encore moins les voies de desserte qui n'ont reçu jusqu'à présent aucun aménagement. Elle est strictement limitée aux grands axes et aux trottoirs et terre-pleins centraux. Nous allons veiller à ce que cette première phase soit respectée dans les limites prescrites par le gouvernement et nous invitons les populations à ne pas tenir compte de quelque sommation que ce soit, d'où qu'elles viennent. Surtout pas de gens qui ne sont pas habilités à percevoir des taxes dans le domaine public et de se confier entièrement au pilotage que fait le gouvernement de façon à ce que nos villes recouvrent leur attractivité et leur dynamisme. Et pendant ce temps, la mairie de Cotonou reloge dans les marchés secondaires les ex-occupants des espaces publics. 117 places sont déjà attribuées. C'est le marché de Renoussou qui a abrité hier l'opération de relogement. Brice Cotonou, William Tchouki. 117 places ont été attribuées aux femmes du marché Renoussou de Fidjrossé par les autorités municipales de Cotonou. Il s'agit d'alléger les peines des populations suite à l'opération de libération des espaces publics. C'est l'occasion pour moi d'appeler les femmes déplacées à ne pas se décourager et à s'adresser aux sous-comités et bureaux d'écoute installés au niveau de chaque arrondissement pour obtenir une place dans les marchés. Cet exercice nous permettra de prendre en compte le plus grand nombre que la ville de Cotonou serait en mesure de reloger. Ce geste de relogement vient mettre fin aux pleurs des sinistrés qui apprécient l'initiative. Je remercie le maire pour cette initiative. Je ne m'attendais pas du tout à un tel événement dans ce marché. En décidant d'une telle opération, relogeant donc nos vaillantes populations, vous venez de redonner espoir à cette population et d'apporter le secours nécessaire, motif essentiel pour eux de poursuivre leurs activités et leur contribution à l'expansion de notre économie. Selon les autorités, plus de 2000 places seront attribuées aux commerçantes dans 36 marchés secondaires de la ville de Cotonou. Autre volet de l'actualité, atelier d'échange sur les réformes dans l'enseignement secondaire, technique et professionnel. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans la réussite du PAG. L'atelier a démarré ce lundi dans les locaux du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Blaise Adanko, Bruno Rotepo. Le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a un rôle à jouer dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Dans cette perspective, il est impérieux d'amorcer des réformes profondes dans ce sous-secteur de l'éducation. Il s'agira de mener des discussions pour pouvoir valider les différentes réformes, les réformes qui sont pertinentes à prendre en compte et qui sont en arrimage avec le programme d'action du gouvernement. Nous avons, dans le cadre du PAG, mis en place cet atelier qui se chargera de réfléchir sur toutes les réformes dans notre système de l'enseignement secondaire, technique et professionnel afin d'améliorer les résultats parce que nous avons besoin de l'immédiatement employable aujourd'hui dans notre pays. C'est un creuset qui nous permet de réfléchir et de trouver les solutions
par rapport à ce qui a été déjà préparé par les directeurs. Pendant 2 jours, les participants devront formuler des propositions concrètes pour permettre à l'enseignement secondaire de participer à la réussite du PAG. La vérification des agents de la fonction publique lancée par le gouvernement met en selle la Direction générale de l'enseignement supérieur. Elle s'occupe des questions de reconnaissance et de co-signature des diplômes. Approché, le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur apporte des explications sur la co-signature et la reconnaissance des diplômes. Il est ici au micro de Clotaire Awekun, de Bénédicte Amouzon et de Rosemonde Chiapé. Il y a la dimension de la reconnaissance des diplômes et puis il y a la dimension de la co-signature. Les tests aujourd'hui qui régissent le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur disposent que les diplômes, les certificats ou autres attestations données par ces établissements-là soient revêtus du sceau du ministère, du sceau de l'État. Selon les périodes, le premier sceau, c'est l'admission en reconnaissance individuelle des diplômes délivrés avant 2011. Et dans le deuxième cas, c'est la co-signature des diplômes délivrés par l'enseignement, par les structures privées d'enseignement supérieur au Bénin. De ce point de vue-là, il est admis et nous travaillons en étroite collaboration avec les collègues du ministère de la fonction publique. Si un détenteur d'un diplôme délivré par un établissement privé d'enseignement supérieur n'a pas ce diplôme co-signé par l'État, il n'est pas valable pour travailler dans la fonction publique. Du coup, il est un faux diplôme à la date où on le prend. Il revient donc au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur pour soumettre ce diplôme-là, la co-signature, si le date d'après juin 2011. Mais si c'est d'avant juin 2011 et s'il n'est pas reconnu, donc nous ne parlons plus de co-signature, nous parlons de reconnaissance individuelle. Si c'est donc avant juin 2011, si ce diplôme-là n'est pas revêtu, n'est pas admis en reconnaissance individuelle, il est un faux diplôme. Il n'est pas valable donc. Il faut qu'il revienne à la direction générale, qu'il soumette son dossier, que la commission interministérielle travaille sur ce dossier, valide le dossier et mette à la disposition du ministre de l'Enseignement supérieur ses résultats afin que ce soit admis en reconnaissance. Là et là seulement, il quitte le domaine du fou pour tomber dans le domaine du vrai. Nous sommes en train de régler les derniers cas de co-signature qui existent et d'ici à là, dès que l'autorité donnera le top, nous n'organiserons plus des sessions de co-signature de diplôme. Nous allons passer aux examens nationaux de licence et puis après de master. Le dernier point que j'ai fait ce matin encore avec mes collaborateurs au niveau de la direction, ça nous laisse des centaines et des centaines de dossiers qui sont là. D'ici à la fin du mois, selon les instructions données par Madame la ministre et le directeur général, nous allons procéder à une session de co-signature des diplômes et de reconnaissance individuelle de ces diplômes-là pour reverser maintenant tout ceci au niveau du ministère de la fonction publique afin qu'on puisse séparer le bon grain de l'ivraie. Quel est l'état de l'air au Bénin? Grosse question environnementale. Alors même que le Bénin n'est pas encore industrialisé, l'accroissement rapide de son parc automobile et l'utilisation des produits pétroliers de mauvaise qualité mettent à mal la qualité de l'air. William Tchoki s'est rapproché des structures en charge de la lutte contre cette forme de pollution atmosphérique. Voici son reportage. Irritation des yeux, inflammation de l'appareil respiratoire. Ce sont là quelques-unes des maladies dont souffrent fréquemment les populations. Un malaise lié au phénomène de la pollution atmosphérique qui prend de l'ampleur au Bénin, surtout dans les grandes villes. Certaines villes sont polluées. Certaines villes où il y a une concentration humaine, où le trafic routier est intense. Quand on parle de pollution, souvent, on voit peut-être beaucoup plus les fumées qui sortent des gaz d'échappement, alors qu'il y a beaucoup de gaz qui sont nocifs, mais qui sont incolores et inodores et qui sont très dangereux. Il y a aussi la mauvaise infrastructure routière, le mauvais état du parc automobile en croissance rapide, le développement incontrôlé du transport urbain par les véhicules à deux roues et surtout l'utilisation des produits pétroliers de qualité douteuse.
Face à tout ceci, l'État béninois a pris ses responsabilités. Il faut dire que le gouvernement béninois a pris le taureau par les cornes depuis 1998. La première des choses, c'est d'attirer l'attention de tous les acteurs concernés sur ce fléau, que ce soit les chercheurs, que ce soit les journalistes, etc., sur ce fléau-là. Ça, c'était en 98. Et puis, directement en 99, l'État a commencé par la sensibilisation de nos populations, le contrôle et le réglage de leurs moteurs pour leur montrer que, en faisant l'entretien d'un moteur, on peut vaincre ce fléau-là. À partir de 2001, les mesures coercitives ont commencé. Cette même loi fixe les modalités du contrôle, les amendes qu'encourent les contrevenants et d'autres dispositions pour pallier à la situation. Pour les véhicules deux roues ou trois roues, quand vous dépassez les normes, c'est 10 000 francs que vous payez comme amende. Mais il ne s'agit pas de payer seulement. Quand on paye, il faut régler. Il faut ramener à la norme ces émissions. En effet, plusieurs garagistes ont été outillés pour le contrôle des gaz d'échappement. Un dispositif qui marche à merveille, il aura permis de réduire l'émission des gaz nocifs. Les automobilistes qui viennent vers nous pour ces contrôles anti-pollution, eux-mêmes, ils touchent du doigt la réalité, puisque les valeurs de contrôle sont affichées et on voit par rapport même à l'âge du véhicule et à certaines conditions, ça affiche carrément le tableau. Est-ce que c'est au vert ou bien c'est au rouge? Et la personne sait. À côté de ce contrôle, une autre situation mérite une veille permanente. Il s'agit de la présence des pots catalytiques dans les moteurs, un organe très souvent dérobé, mettant en mal le moteur et par écorcher l'air que nous respirons. Même en Europe, les gens enlèvent les catalyseurs avant que les voitures n'arrivent ici. C'est vrai qu'ici aussi, ça se fait. Mais le gouvernement a déjà interdit ça. Hein. Il y a un décret qui impose l'importation des véhicules à pots catalytiques, qui polluent moins, donc qui ont une rigueur dans les émissions. Nos doyens qui nous ont appris le métier faisaient le contrôle anti-pollution même sans appareil. Parce qu'un véhicule qui va au garage, lorsqu'ils finissent la mise au point, ils font les essais, ils reviennent voir est-ce que l'échappement est propre, est-ce que l'échappement est blanc. Donc ça c'est un contrôle anti-pollution. La pollution atmosphérique due à cet gaz très nocif est un problème de santé publique. Faire contrôler son moteur et utiliser les huiles de qualité ne ferait que du bien à notre santé et à l'économie nationale. Vous avez déjà entendu parler de faux médicaments. Vous avez certainement votre idée là-dessus. Mais qu'est-ce en réalité? Huguette Rondello nous emmène à la rencontre du directeur de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques du ministère de la Santé. Il explique. Au Bénin, comme dans les pays de la sous-région, en tout cas les pays en voie de développement comme le Bénin, le faux médicament, c'est tout d'abord simplement tout médicament qui n'emprunte pas, qui arrive dans le pays par des chemins qui ne sont pas des chemins constitutionnels. C'est-à-dire ce que j'appelle constitutionnel, c'est-à-dire que l'importateur, le détenteur et distributeur de médicaments sont des professionnels connus et marqués par la loi. Lorsque vous empruntez un autre chemin que le chemin, donc il y a un chemin lié à la politique pharmaceutique du pays, tout ce que vous importez est appelé faux médicament. En réalité, un faux médicament, c'est un médicament dans lequel soit on n'a pas le principe actif qu'il faut, soit on n'a que le placebo, ou bien le principe actif n'est pas assez, ou bien c'est autre chose en voie, ou bien quelque chose qui est en train d'être dégradé. Donc on peut le contrôler et dire, par exemple, vous prenez le cas de l'aspirine, 500 mg, c'est que vous avez de l'acide acétyl salicylique à 600 mg, quoi qu'en soit la grandeur du comprimé. Si ça n'atteint pas ça, ce médicament est faux. S'il n'y en a pas dedans, ce médicament est faux. Si le complément que vous avez écrit qui est dedans n'est pas de la valeur de ce que vous avez dit, ce médicament est faux. En un mot, quand on dit un faux médicament, c'est un médicament dont les substances ne respectent pas les normes qu'il faut, les normes réglementaires. Le Bénin dispose aujourd'hui de 6 dépôts répartiteurs, les pharmacies et des dépôts liés à ces pharmacies. Et pour avoir ça, vous avez des autorisations, vous êtes sous contrôle de la DPMED en matière de législation, de contrôle avec la direction de contrôle de qualité des médicaments. Et on est sur, ça permet
au système de santé publique de savoir que les produits que vous importez sont de qualité pour faire les traitements qu'il faut dans le système de santé. Donc quand vous n'êtes pas dedans, vous êtes dans le faux. Et je vais vous dire en quoi ça se justifie. Ça se justifie que dès que vous n'êtes pas dedans, c'est que, un, vous ne contrôlez pas comment il faut importer, parce que l'approvisionnement, l'importation de médicaments suit des normes. On n'est pas sûr que vous les suivez. Deuxième chose, le stockage a besoin de conditions et est très, très, très sensible. Est-ce que vous savez qu'il y a même des substances, lorsque vous les amenez, on vous interdit de les garder à des températures données ou bien même de les laisser à la lumière. Quand vous allez voir quelqu'un qui doit amener son médicament et le faire vendre à l'étalage dans un marché, vous voyez ce que ça veut dire par rapport à ça. Donc, du coup, le fait de ne pas être dans le circuit pour recevoir les conseils de santé publique qu'il faut réglementer dans les normes internationales, cela prouve déjà que vous êtes dans le faux. Et donc, on les classe tous comme de faux médicaments. Cela fait déjà 15 ans que le Bénin a ratifié le statut de Rome. Il est le 49e État sur les 124 au total. Le statut lui-même est entré en vigueur le 1er juillet 2002, créant ainsi une Cour pénale internationale permanente. Que retenir de la ratification du Bénin? Clément Capocicci, le coordonnateur régional Afrique de la Coalition pour la Cour pénale internationale, répond. Il est au micro de Awa Chérif et de Jérôme Ongbo. Conformément au statut de Rome, au-delà de l'aspect de la coopération avec la Cour pénale internationale, qui est une obligation qui est faite aux États, l'obligation de coopérer avec la Cour, il y a aussi que les États ont l'obligation d'adopter des lois nationales qui intègrent les crimes poursuivis devant la Cour pénale internationale. L'avantage de cela, c'est que les États ont la primauté des affaires et la Cour n'intervient qu'en dernier ressort. L'article 1er du statut de Rome précise d'ailleurs qu'il est créé une Cour pénale permanente, mais qui est complémentaire des juridictions nationales. À l'heure où je vous parle, beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement, les gouvernements successifs du Bénin, et sur l'impulsion de la société civile, nous avons pu obtenir un avant-projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome. Malheureusement, depuis 2006, cet avant-projet de loi n'a jamais été envoyé à l'Assemblée nationale, donc est resté à l'étape de la Cour suprême. Le Bénin a quand même montré sa bonne volonté en adoptant un code de procédure pénale qui consacre tout un titre à la coopération avec la Cour. Le Bénin également, dans le projet de code pénal qui est à l'étude à l'Assemblée nationale, a prévu dans le préambule de ce document un titre consacré aux crimes poursuivis devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, nous avons noté en parcourant le document de fond en comble que nulle part on ne retrouve les articles qui devaient normalement servir à nous rassurer que le Bénin désormais a domestiqué le statut de Rome. Voilà pourquoi nous avons entamé une démarche de plaidoyer auprès des autorités, auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale pour attirer leur attention sur la question et leur dire qu'il est temps, 15 ans après, que le Bénin puisse donner de la voix et que ce soit une voix qui compte dans le concert des nations qui aujourd'hui soutiennent la Cour pénale internationale. Culture à présent, en prélude au Nouvel An chinois qui débute samedi prochain, la troupe de la province chinoise de Gansu a offert au public béninois un spectacle riche en lumière et en son. C'était au Palais des Congrès de Cotonou samedi dernier. Visiblement, le Happy Chinese New Year au Bénin entre bel et bien dans sa phase pratique. Francis Faton, Patrick Josu. Non, on n'est pas en Chine. On est bien au Bénin, à la salle rouge du Palais des Congrès. Et le titre que vous suivez, c'est bien Asia de Sena Joy, chanteuse béninoise, interprétée par une Chinoise qui fait partie de la troupe de Gansu, la province chinoise à l'honneur cette année grégorienne 2017. On est au spectacle VIP, Very Important Personality, du HCNY, Happy Chinese New Year, le festival du Nouvel An chinois au Bénin. Le spectacle de ce soir est un exemple de démonstration et de partage de nos valeurs culturelles, la compréhension,
réciproque de culture, naturellement, contribue au renforcement de l'amitié traditionnelle que liaient nos peuples. La Chine entière, dans sa culture, nous indique et la méthode et le chemin à suivre pour nous réaliser pleinement comme pays, comme nation, comme État. Tout là, c'est le titre du spectacle des super anges Wendonaboua qui représente le Bénin. Ces danses, cadences et pirouettes. Des pirouettes, cadences et danses qui sont dans Dunhuang, rythme de la route de la soie. Titre de ce spectacle de la troupe représentant la Chine. Chinoise et béninoise en duo, la coopération sino-béninoise est en route pour le 28 janvier, date du nouvel an chinois, année du coq. Interactualité à présent avec cette question. L'ex-président gambien a-t-il vidé les caisses de l'État avant son départ samedi pour la Guinée équatoriale? C'est en tout cas ce qu'a affirmé dimanche dernier un proche conseiller du nouveau président, Adama Barrow. L'ex-président gambien Yahya Jammeh n'aurait pas quitté son pays les mains vides. Il aurait emporté avec lui en exil des millions de dollars volés dans les caisses de l'État. C'est en tout cas ce qu'affirment des proches de son successeur, Adama Barrow. En l'espace de deux semaines, l'ancien président a dérobé près de 500 millions de dalassi, soit plus de 11 millions de dollars américains. C'est beaucoup d'argent. La situation en Gambie est toujours vive depuis le début de la crise politique le 9 décembre dernier. Le nouveau président gambien a dit vouloir rentrer dès que possible dans son pays. Il est pour le moment toujours au Sénégal où il a prêté serment jeudi dernier pour son investiture. Adama Barrow envisage un retour une fois sa prise de fonction facilitée. Le nouveau président a ainsi souhaité que les forces de la MICEGA, la mission de la CDAO en Gambie, restent dans le pays jusqu'à ce que la situation sécuritaire y soit totalement rétablie. Si dimanche soir, des blindés de contingents sénégalais circulaient dans les rues de Banjul, la Mauritanie, en qualité de médiateur dans cette crise, dénonçait l'entrée de forces étrangères en territoire gambien. Pour Nouakchott, cette intervention viole les termes de l'accord ayant permis le départ en exil de Yahya Jammeh, un départ largement célébré par la population ce week-end dans la capitale gambienne. Et sur place en Gambie, le palais présidentiel est sous haute sécurité depuis hier matin en attendant le retour du nouveau président. La sécurité, elle est assurée par les troupes de la CEDEAO. Reportage. En Gambie, le palais présidentiel sous très haute sécurité depuis lundi matin en attendant le retour du nouveau président Adama Barrow qui se trouve toujours au Sénégal. Stationnés au coin de rue autour de la capitale, les troupes de la CDAO ont été déployées pour sécuriser le pays et le complexe de la State House. Selon les responsables de l'armée sénégalaise, la force qui comprend également des troupes du Nigeria, du Ghana et du Mali n'a pas rencontré de résistance à mesure qu'elle avançait dimanche. Leur présence est saluée par les populations de Banjul. Je remercie également le gouvernement sénégalais et son peuple ainsi que le groupe de surveillance de la CDAO. Je prie aussi et je souhaite une plus grande unité entre les pays d'Afrique de l'Ouest et l'ensemble du continent. Ce sont tous des signes d'unité. Nous ne pouvons pas dire que Jammeh n'a pas travaillé. Son départ a été fait par Dieu qui nous a envoyé Barrow. Et nous attendons avec impatience de grandes choses pour notre pays. Qu'il puisse bien faire son travail. Et je demande à la communauté internationale de lui donner toute l'aide dont il a besoin. Les troupes de la MICEGA ont pénétré en territoire gambien dès jeudi après-midi, après la prestation de serment de M. Barrow à Dakar. Mais elles avaient rapidement suspendu leur progression pour laisser agir la diplomatie selon la CDAO, qui comptait alors mobiliser jusqu'à 7000 hommes de 5 pays différents. Nous terminons ce journal avec les pourparlers de paix sur la Syrie entre les émissaires de Bachar al-Assad et les représentants des rebelles. Pourparlers qui ont commencé ce lundi à Astana, c'est au Kazakhstan. Reportage. Les pourparlers de paix sur la Syrie ont débuté à Astana, au Kazakhstan, sous le patronage de la Russie, de l'Iran et de la Turquie. Les rebelles avaient pourtant refusé à la dernière minute de négocier en face à face avec le régime syrien. Ce lundi, les deux camps se sont finalement retrouvés pour la première fois dans la même pièce pour discuter. Des discussions qui seront surtout centrées sur le renforcement de la trêve entrée en vigueur le 30 décembre. Alors que les rebelles ne sont désormais en majorité que dans quelques régions du pays, l'armée du régime contrôle les principales villes de Syrie, Damas, Homs, Hama et Alep notamment.
Les rebelles accusent les forces gouvernementales de ne pas respecter le récent cessez-le-feu. La nuit dernière, après d'intenses combats, l'armée syrienne a repris le siège de Madaya, ville sous contrôle rebelle près de la frontière libanaise. Par ailleurs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 9 civils dont 6 enfants auraient été tués dimanche dans des raids menés par l'aviation du régime contre la province rebelle de Homs. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Cette édition est à retrouver sur notre site, le www.ortb.bj.